C'est Juliette qui fait 3, 2, 1, go. Voilà, merci Juliette. Alors, merci, merci, oui, là-bas. Et ce que je voulais dire, ah oui, c'est ça, auto-sabotage. Alors, vous êtes nombreux, hein, vous mettez féminin, masculin. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment faire pour arrêter l'auto-sabotage. Enfin, excusez-moi, mais le sourd est assez intelligent pour ne pas prendre un marteau et se le mettre sur la tête. C'est évidemment une image. Donc, auto-sabotage, ça n'existe pas. Mais vous dites auto-sabotage parce qu'évidemment, c'est vous qui faites l'action de vous saboter. C'est-à-dire, je prends l'arbre, je me le mets sur la tête, c'est de l'auto-sabotage. Ah tiens, on va prendre ça. Je me mets l'arbre, je me le mets sur la tête, c'est de l'auto-sabotage. D'accord. Mais si j'étais élevée avec une maman très gentille qui m'aurait dit, ma chérie, tu sais, tu n'es bonne qu'à te mettre un arbre sur la tête. Alors, dans des moments de tristesse et de chagrin, qui sont le lien avec la mère symbolique ou la mère réelle, hein, les paroles sont restées. Et je vais prendre l'arbre et je vais me le mettre sur la tête. Je vais m'auto-saboter, mais c'est pas de l'auto-sabotage. Ce sont les restes de paroles qui sont là pour le sourdoué. Et Dieu sait combien le sourdoué se souvient de tout. Il a une mémoire phénoménale. Quand le sourdoué occulte, c'est parce que c'est une trop grande souffrance. Donc très très souvent, le sourdoué occulte quand il y a une grande souffrance. Le sourdoué a une mémoire phénoménale. Il se souvient de sa maman qui lui disait « Si tu continues, je me jette par la fenêtre ». Donc si quelqu'un se jette par la fenêtre, c'est à cause de lui. Enfin, vous voyez, c'est un peu exagéré, c'est un peu triste. On va prendre d'autres exemples plus jolis, plus fantaisistes, mais moins lourds. Et en fait, les paroles de la mère, les paroles du père sont dans la mémoire du sourdoué, bien évidemment. Autant les bonnes paroles, que le sourdoué n'en a jamais reçu assez, que les mauvaises paroles. Donc si votre mère vous disait « Tu n'es bon à rien, tu vois bien que tout ce que tu réussis, ça rate. » Comment faire autrement pour rester fidèle à sa maman que de monter, de réussir et de, paf, replonger et rater. C'est tellement bien de rester en lien avec maman. Cette maman qui a été tellement méchante, c'est ce que vous dites, elle n'était pas méchante, elle avait juste ses problèmes. Mais d'apparence très méchante, qui vous disait, mais pauvre garçon, mais tu rates tout dans ta vie. Mais pourquoi vous voulez réussir? Restons en lien avec maman. C'est tellement sympa, il adore ça, le sourd de rester en lien. Donc il reste en lien avec maman, et puis il s'auto-sabote, c'est ce que vous appelez d'auto-sabotage. En fait, c'est la main de maman qui vous sabote, mais comme vous n'osez pas dire « ma mère m'a saboté », le sourdoué qui est tellement gentil, il va dire « je m'auto-sabote ». Je m'auto-sabote, ça veut dire la main de ma mère me sabote, mais je ne vais pas dire comme ça, parce que c'est impensable pour le sourdoué d'avoir cette méchanceté, de voir les choses. Donc c'est difficile, sa sensibilité ne lui permet pas de faire ça. En réalité, en même temps, on doit quand même aller voir certaines réalités. Les mamans qui disaient, et ça, les paroles des mères, j'en avais plein dans mon bureau, mais c'était un truc de fou, quoi. Je me souviens d'une maman, je sais pas si je peux le dire, attendez, je réfléchis. Oui, c'est pas grave, c'était une vieille histoire, qui disait à sa fille, mais de toute façon, je sais très bien que tu vas te suicider. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait pas fait? Ça aurait fait tellement plaisir à sa maman. Donc un jour j'en ai marre, j'ai quand même pris le téléphone parce que je voyais que son auto-sabotage, elle était au bord du suicide, puisqu'elle, c'est comme si on lui avait laissé qu'une seule route. Évidemment qu'on est dans des symboles, évidemment qu'on n'est pas con pour dire on ne va pas se suicider parce que notre mère a dit des paroles en l'air comme ça, parce que ce jour-là elle allait très mal ou parce qu'elle va mal depuis qu'elle est née et qu'elle n'a pas voulu consulter ou voir quelqu'un qui puisse l'aider, donc elle va dire ça. Mais quand cette fille revenait dans mon bureau en disant, en pleurant de chagrin, ma mère m'a dit que je vais me suicider, que de toute façon je finirai par me suicider, j'ai pris le téléphone et je lui ai dit. Enfin, madame, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire qu'un jour vous allez aller à l'enterrement de votre fille? Un jour vous allez mettre votre fille en terre et vous allez aller à l'enterrement de votre fille. Et là, cette femme, elle a pris conscience. Je pense qu'elle a compris. Elle a arrêté de faire de l'auto-sabotage sur sa fille, si c'est ça l'auto-sabotage. Et elle m'a juste dit, maintenant je sais que ma fille est avec une très mauvaise psy. Donc c'était sympa. C'était sympa. Donc elle avait compris. Et peu importe si j'étais rejetée à ce moment-là, en tout cas, la chose a été entendue. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est de l'auto-sabotage? Ou c'est la main ou les paroles de la maman qui traînent encore? Ce sont des paroles malheureuses, disait Lacan. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malheureux va avoir des paroles de malheureuse. Voilà. Donc des mamans qui disent des choses terribles et qui font parfois des choses terribles. Je parle de faire interner ses enfants, par exemple. En croyant que ça va leur faire du bien, enfin c'est un autre sujet, mais bon, c'est encore d'actualité malheureusement,
Il faut comprendre que des mamans qui ont leurs souffrances, évidemment qu'elles ont leurs souffrances, évidemment que ce sont des mamans malheureuses qui vont vous dire « ma fille va se suicider » ou « mon pauvre garçon, mais tu vois bien que tu réussiras rien dans la vie » ou « espèce de cloche, t'as vu ta gueule » ou je sais pas quoi, mais c'est terrible. C'est terrible de dire ça à des enfants. Mais c'est terrible, mais l'enfant va oublier certaines paroles de la mère. Mais il va pas retenir n'importe quoi, il va retenir ce qui vient exactement s'emboîter, c'est une cacha, s'emboîter dans ce qu'il est en train de vivre. Ah, oh, ma maman l'avait dit, alors c'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'auto-sabotage. L'auto-sabotage ne sont que des paroles de malheureux, de parents malheureux, pas malheureux, malheureux, qui ont dit des paroles de malheureux ou de malheureuses que vous avez utilisées pour vous dire c'est de l'auto-sabotage. Comme ça, ça laisse tout le monde en paix, tout le monde tranquille. C'est pas grave hein, de dire maman a voulu que je ne réussisse pas, donc je ne réussis pas. Et puis je pense à ma mère en même temps. Mais c'est normal, on est obligé, quoi, qui a voulu que je fasse un grand mariage et que j'ai pas réussi. Voilà. Donc, si on considère que mes deux divorces sont de l'auto-sabotage, je me suis auto-sabotée. Mais j'ai essayé de faire plaisir à ma mère et de faire ce que ma mère aurait tellement souhaité pour moi. Et puis on est trois filles, donc vous imaginez trois fois. Et je fais un bisou à ma maman en passant. Et on n'a pas réussi. Alors, est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On a été mis sur une route qu'on n'a pas pu suivre et on se retrouve en échec. Et les paroles de maman et de ses parents malheureux ou qui ont voulu des choses pour eux et qui n'ont pas réussi et qui transportent sur l'enfant. Lacan disait « Aucun enfant ne peut combler le désir de sa mère. » Alors, il faut arrêter de croire qu'on peut faire plaisir à maman, même si c'est inconscient. Alors, prenez conscience que vous ne pouvez pas faire plaisir à maman en faisant ce qu'elle n'a pas réussi à faire et qu'elle voudrait bien que nous fassions à sa place. Voilà, maman, c'est dit. Et ensuite, l'auto-sabotage ne sont que des paroles qui sont restées dans votre mémoire de parents malheureux et donc de discours, comme disait Lacan, de malheureux. Voilà, donc paroles malheureuses. Donc il y a effectivement, c'est très lourd les paroles malheureuses des mamans et des papas. Vous n'allez pas pouvoir rendre vos parents heureux, sinon ça va vous prendre toute une vie et vous n'aurez pas assez pour être heureux vous-même. Mais le meilleur moyen que les parents soient heureux, c'est de l'être soi-même. Dans les parages. Et donc, comprenez bien que l'auto-sabotage n'existe pas. Ce ne sont que des paroles que vous avez entendues, de choses que vous avez vues, qui viennent de parents malheureux, qui vous ont en tout cas lancé des discours malheureux, des paroles de malheureuses, de malheureux, et que vous avez pris pour argent comptant, qui sont restés gravés dans la mémoire du sourd. Alors, le sourd, il y a tellement de place dans sa mémoire qu'il y a aussi de la place pour garder toutes les mauvaises paroles. Alors, orientez-vous vers les bonnes paroles, ou bien mémorisez tout ce que votre mère vous avait dit, tout ce que votre père vous avait dit, l'oncle, la tante, le frère, la sœur. Vous allez voir comment l'auto-sabotage est compris, le programme d'auto-sabotage, il est là-dedans. Voilà, donc l'auto-sabotage n'existe pas. Je ne prendrai pas donc cet arbre magnifique pour le mettre sur ma tête. Voilà, connerie, voilà. Et je n'épouserai pas un milliardaire. Voilà, de toute façon, j'ai passé le temps. D'accord, je vais arrêter de dire des conneries. Juliette, c'est bon. Merci beaucoup. Elle se marre. Mais oui, parce qu'à un moment, c'est de la détente.